Ils sont une dizaine et ont choisi de partir pour un mois, voire plus, pour faire les saisons dans les vignes bordelaises. La mission vendange, certains d'entre eux connaissent déjà, mais pour d'autres, c'est une première. À l'image de Karim, 18 ans, qui voit cette opportunité de départ comme un tremplin vers un avenir meilleur. Là-bas, le plus intéressant par rapport à mes pas entourés et vraiment concentré sur mon objectif, moi tout seul, donc obligé d'y aller à la tête, le lendemain il lève, il s'en va en fin de compte, voilà. Après, bien sûr. Ici, allez, on va travailler, mais juste pour dire, voilà, juste pour dire. Après, si par exemple, comme M. Baron l'a dit, si notre camarade appelle vite fait là, mais là, si on aura plus envie d'aller voir le camarade, je ne peux pas dire de tête, mais Baron le moins de faille pour pas, ouais. Bien, hein. Là, au moins, le sûr est concentré. Jean-Igor, lui, a déjà tenté l'expérience de la métropole, toujours par le biais du CNARM. Aujourd'hui, il repart pour les vendanges. Dire franchement, les vendanges, il est dur. Il faut avoir le courage pour bien faire lire. Hein. Parce qu'il est dur. Parce qu'avec un petit sécateur, elle n'est pas facile. C'est une bonne expérience pour moi et pour tous mes bons camarades aussi. Ma vie, Bana aussi, Bana l'a foncé, Bana te veut vraiment aussi pour travailler, pour avancer, pour dans une demande de prospection surtout. Pour être avancé dans notre vie professionnelle. C'est la RIM, l'association réunionnaise d'insertion par la mobilité, qui les accompagne pas à pas jusqu'à leur arrivée sur place. Le CNARM, en soutien financier, se mobilise et aide l'association à faire partir les demandeurs d'emploi dans le cadre d'une prospection. Ce qui s'en va, c'est parce que vraiment, pour certains, c'est l'obligé. D'accord ? Parce que oui, je ne trouve pas de travail et puis je vais tenter de chance ailleurs aussi. Et puis voyager nous dit toujours, il forme la jeunesse. D'accord ? Même s'il arrive en France, il n'y a pas trop de travail, nous ne va pas considérer ça comme un échec. Comprends ? Il va revenir avec d'autres idées, il pourra avoir d'autres projets aussi dans l'avenir. Et c'est ça les biens avec ce projet-là et avec l'accompagnement du CNARM. Ils partent tous pour Bordeaux dès la semaine prochaine et seront affectés dans les usines et chez de la région.